Et c'est le meute, c'est Shadow. On est parti pour la suite des aventures de Far Cry New Dawn. On a bien avancé, on a quasiment tout. Hein. Il nous reste. Là, j'économise vraiment 10 points pour acheter cette compétence qui va me servir. J'ai dû améliorer au niveau 5 pas mal de trucs. C'était quoi les munitions légères, munitions lourdes, munitions légères, munitions lourdes. Tiens, hop, ça là, je. On est encore d'un cran. Donc, je suis niveau 6. Donc, là, 10 points, j'ai acheté la compétence qui me manquera. Et on en est donc. Mon oreille pour améliorer au-dessus, il manque un expert à sauver, donc ce sera Mister qui est devant nous, donc qui est ici Nick, sachant qu'il reste encore Irvin Smalls à récupérer aussi. Et vous avez vu qu'on a déjà attaqué pas mal de bases, qu'on a fait presque niveau 3 de chaque. Il nous reste 3600, on a 3660 d'éthanol, ce qui fait qu'on devrait avoir assez pour acheter le niveau max de tous les trucs qui nous restent quoi. Oh. Ah. Ouais, je te suis Nick, vas-y. Nick. Nick Talop. C'est là que tu vois dans la nuit. Ouais. C'est moi là, tu regardes le mec, tu fais dégage de là, Nick! Moi je te suis, cours! Même en marchant, je vais plus que toi. Alors, toi t'es en train de courir. J'ai pas vraiment confiance en ton histoire là, étonnamment. Le mec il bricole un avion, il sait juste que l'avion peut démarrer, et c'est tout. Honnêtement j'ai pas vraiment confiance quoi. Ça, ça me rappelle quelque chose. Non. Tu m'étonnes. Je me disais que ça me rappelait bien quelque chose. Mais d'accord, il a plus d'aile. Il a plus d'aile donc. Oh putain. Ah oui, d'accord. En fait, il a plus d'aile donc je peux aller tout droit, mais je peux pas aller sur le. Je peux pas m'envoler. En fait, il faut que je reste sur l'eau. En fait, c'est un véhicule quoi. C'est une voiture. De l'eau, mais c'est une voiture. T'as vu les infos de Discord? Ouais, j'ai vu les infos de Discord. J'ai vu ton petit blabla aussi sur. Enfin, dans blabla, t'as mis le trailer Dragon Ball Super Broly en VF. J'ai trop hâte de le voir arriver celui-là. J'en ai vu quelques-uns. Ah merde, attends, j'ai. Oui, putain, je suis con, j'ai pas remis Wizbot. Attends. Dès que j'ai fini la mission, je remettrai Wizbot, poteau. Comme ça, Peter, poto, en tout cas. Oh, c'était peut-être pas une si bonne idée. Accrochez-vous. Génial. Je suis dans un avion, mais qui a pas d'aile. C'est bien. Mais si t'as pas d'aile, tu peux pas voler. Tu peux pas voler. Hey. Ah bonne nuit poteau, pas de soucis. Je pense que tu dois aller. Allez toi tu dois bosser je pense demain. Oh le fils. Ma petite licorne elle est morte. Non. Par contre j'ai pas compris le délire de le Pokémon, je connais pas trop je connais pas trop ce truc là, Pokémon épée et bouclier là. Ça me dit rien du tout.
Sur le 1100. Le son. Le petit son, je l'ai pas mis. Quel son? Sur le live. Non, c'est juste pour le petit truc pour mettre les sons, j'ai pas mis. Ouais. Mais tu l'as mis? Tu es en train? Ils sont duellés en plus. Ah merde, j'ai oublié. Je suis parti sans le mec. J'ai pris son véhicule, je me suis taillé, c'est casse-toi, connard. C'est bon, il y a le son. C'est moi, je vais me faire agresser par un... L'oiseau. C'est bon, ça marche. Le seul avion qui a pas d'aile. Et si t'as pas d'aile, tu peux pas voler. Tu peux pas voler. Je sais. Tu peux marcher, tu peux courir, tu peux pouvoir voler. Musique. Envole-toi. Aucune balle n'a touché les cibles. C'est bien, super. Pratique. Super, aïe, aïe, ça pique. Dans la vache, je rentre dedans, il y a une grosse lumière, d'un coup tu vois une vache qui sort. Pardon. Bon bah ça fera des essais cachés, hein.
par contre, je vois la corde. Enfin, peut-être enlever peut-être des petits morceaux de métal. Voilà. Peut-être un petit peu chiant dans le tri, mais... C'est la fève. Ah oh, oui, bah la fève, là, là, tu te pètes une dent, là, c'est sûr. Trop mignon. C'est comme elle a grandi. T'imagines que dans Far Cry 5, lui, il y est déjà. Elle, elle a les cheveux déjà plus longs. Et elle est enceinte. Ça se passe 15 ans après. Oh, c'est trop mignon de les voir comme ça. Ils ont survécu à une bombe atomique quand même. Réunion. J'arrive quand je peux, point barre. C'est bon, calme-toi. Je me fais agresser. Amélioration niveau max. Alors, quelle galère va me tomber encore sur la gueule. Prosperity niveau 3. Ah, c'est tout. Par contre, j'ai débloqué le véhicule. Ça, c'est marrant. Alors, bon, bah, maintenant que j'ai prospéré niveau 3, on va acheter le dernier talent. Comme ça, on aura débloqué tous les talents. Voilà. Succès débloqué, évidemment. J'espère. Ensuite, on va se faire donc la base. Amélioration de établi pour les armes. Logique. Prioritaire. Ça sert toujours. Voilà, donc l'établi pour les armes, ça, c'est fait. Suivant, la pharmacie, pour avoir 250% de PV. Logique, la base, c'est fait exprès. Ensuite, le garage pour avoir des véhicules encore plus performants et blindés, peut-être, on sait pas. Ça peut servir, c'est fait exprès. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a le camp d'entraînement pour que les mecs soient encore plus costauds, encore plus résistants, avec un plus de points de vie. C'est fait pour s'entraîner, c'est là, c'est pour la suite, c'est fait exprès. La porte d'explosifs pour avoir des explosifs encore plus. Encore plus explosifs, c'est fait pour ça, c'est fait exprès. Le mec a fait cramer la gueule quand même. Les expéditions pour partir en expédition, c'est fait pour ça, c'est fait exprès, merci Captain Obvious. Un jardin pour jardiner, avoir des petits légumes, nous faire quelque chose de petit rond, entre autres, hein, n'est-ce pas? Ou tout autre chou et salade, c'est fait pour ça, c'est fait exprès. Et en dernier, vous avez une cartographie pour avoir une cartographie des lieux. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. C'est fait pour connaître le lieu. C'est fait pour ça. C'est fait exprès. Et on a toute la base à 100%. Et encore, je crois même qu'il nous restera 164 éthanol. Ma petite forteresse. Construisez toutes les améliorations possibles de Prosperity. Après, ça va servir pour autre chose et... D'accord. Au cas où, je découvre le jeu en même temps que toi. Je suis au max, je peux pas aller plus haut là. Pour mon avantage. L'avantage par contre, c'est que maintenant. Oh la pelle! Ah, je peux déjà me fabriquer une arme. Ça, c'est bon ça!
Enfin, presque une arme. Fusil d'assaut, fusil d'assaut, fusil d'assaut, fusil d'assaut. Sniper, sniper. Oh, qu'est-ce que je peux bien me faire? Honnêtement, qu'est-ce que je pourrais... Je sais pas, quelque chose que j'utilise souvent, qu'est-ce que je pourrais me fabriquer? Ah, j'hésite entre... Vas-y. Un arc? Ah, peut-être, ouais. C'est l'idée, ouais, hein. Ouais, c'est l'idée. Mais en plus, je n'utilise pas du tout les outils que j'ai besoin, donc au moins, même l'arc, je pourrais quand même l'utiliser et acheter une autre, fabriquer notre arc d'air. Notre... Enfin, peut-être une autre arc d'air. Ah ben non, je peux pas, je pourrais fabriquer. Ah si, je peux acheter une pelle. Je peux fabriquer une pelle, hein, en or, plein de clous. Donc à faire, fabriquons-la, hein, soyons fous. Entre autres, c'est fait exprès. Et là, ben là, je peux rien faire, évidemment. Voilà. Donc c'est mes premières, c'est ma première, mes deux premières armes d'or dorées. Est-ce qu'en doré je peux fabriquer une arme dorée ou pas? Moi j'ai pas assez pour une arme dorée, ça c'est cool. Donc ça m'oblige comme ça à repasser en dessous. Donc niveau 3, je peux fabriquer un lance-flamme. Je suis pas fan des lance-flammes. Par contre, je peux acheter un fusil à pompe, ça peut être bien. En plus, ces fusils à pompe, j'en ai pas niveau 3. Ouais, donc je peux fabriquer fusil à pompe. Bah tiens, comme ça je peux même fabriquer deux armes que j'ai pas encore à faire. Hop, voilà. Un enflamme et un fusil à pompe. Ça c'est fait. Merci d'être venu, Captain Plus. 11. Oh, 11 nouveaux défis. Ah bah oui, je suis con, oui, c'est les armes de niveau max. Donc il me reste pistolet, fusil à pompe, mitrailleuse, fusil sniper, l'enflamme pour le violet. Donc je vais déjà en faire 2. Et pour les dorés, moi, donc je peux en faire 1 pour l'arc. Et je peux faire le corps à corps, donc je peux en faire 2 aussi. Donc. Oui, donc. Je sais quoi là. C'est le trésor, non? Ah, il y a une mission là. Est-ce que j'ai un truc pour me téléporter pas loin ou pas? Ah, tiens! Largage aérien. Ouais, ça me rassure pas trop par contre le largage aérien. Est-ce qu'ils vont me larguer dessus, sachant que j'ai pas vu, à part les ennemis avec un parachute? Surprise, motherfucker! Parce que sachant que le seul mec qui sait piloter un avion qui n'a pas d'aile. Oui, d'accord. C'est directement. Je vais aller où? C'est par là. Bon, bah, on va aller rester en l'air pour qu'on peut aller tout doucement. Alors, si j'atterris directement dans leur dos, à grands coups de pelle dans la gueule, est-ce qu'ils vont m'en vouloir ou pas du tout? C'est peut-être une idée, mais je suis pas sûr que... Hé, je suis derrière toi! Oh la pelle! Tu vois la puissance du mec, c'est.
ça, c'est une sacrée frappe. Hey, j'aimerais pas te voir t'affronter. Allez, on va mettre ça à profit. Plante tes armes. C'est interdit là où on va, je pense. Oh, mais chier. Suis-moi. Je sens qu'il y a une couille. Y aller à poil, j'aime pas trop. Oh, mon petit Darley, comment tu vas? À une époque, je combattais, moi aussi. T'es mon petit Darley. J'ai enchaîné pas mal de victoires. J'ai battu 17 gars. Hein? 17 gars. Mais j'ai dû arrêter. J'étais trop fort. J'ai cogné le dernier gars tellement fort qu'il en a chié sa cervelle. Je déconne pas, ça lui est sorti du cul, hein. Oh. Alors bon, bah ça va, poto, ça va. Revalorde. Ah, et tout le monde qui arrive. Ok, on y est. T'as qu'à rentrer, mon associé va s'occuper de toi. Souris et essaie de croiser aucun regard. Quand t'auras fini, je t'ouvrirai la porte et je te retrouverai à la planque d'armes. Va te les faire, champion. Ouais, j'ai pas trop confiance dans le va te les faire, champion. Pas l'assistant d'Irvin. Toi, t'es la Circe. Ah oui, d'accord. Je me retiens d'utiliser cette batte. J'ai très envie d'éclater les dents. Faut viser en plein dans la gueule. Chaque fois, il voit jamais rien. Je suis en train de venir. Je suis en train de la couleur à la reine. Hé, t'as besoin d'un nom de scène pour pouvoir te battre. Pour qu'on sache contre qui parier. Moi, je dis sucette. Elle a une tête de sucette. Ça se voit tout de suite. Sale gamine, va. La gamine m'a traité de sucette parce que j'ai une tête de sucette. Salope. Je finissais ma partie. Pas de soucis, mon tir, voilà, t'inquiète pas. Fais gaffe. Ah bon, tu vois quoi? Plus ça va, plus tu limites le téléphone, il est retourné complètement. Fais gaffe, il est con. Tu sais, c'est pour ça que je fais. Ah non! Ah non! au moins, tu le feras sucer. Connard. Et après, il y a ta femme qui va arriver qui va dire ah, c'est pour ça qu'il avale. La blague de la dernière fois. Oui. Tu as vu en animaux? Animal. Mais on se traite aux animaux. Comme tu traiteras. Pas du tout. Ok, bande de connards. Bienvenue dans la meilleure force qu'on va se connecter des radiations. On va arrêter les conneries et saluer notre nouvelle amie Sucette, pourvu qu'elle tienne plus longtemps que le précédent. Ah putain, c'est des chiens. One shot. Couché, sale bait. Je regardais pas ça, moi. Ah, non, il m'a. Alors, tu tournes. Est-ce qu'il va me déranger, hein? Bah, mettez-les par là. On peut pas mourir tous dans le même coin. Oh merde. Ah, quand même. Putain, mais il résiste, l'enfoiré. On va savoir que c'est une batte de niveau 1. Hein. Thank you.
C'est qui a écrit? C'est la femme ou le mec? Kawabonga! Oh, je lui ai mampé une poire. La succube. Ah, oh, mamma mia. Oh la señorita. Comment est-ce que... Ah, il m'a fait délirer au verre tout à l'heure. Donc le coup de la succube, il m'a fait rire. J'ai peur que le truc me pète à la gueule en fait tellement là. Ah, un enfant qui arrive. Ito bene. Parce qu'il faut cramer tout ça avec le truc au milieu, ça donne vachement envie, tu sais. T'as envie limite de lui balancer déjà le truc dans la gueule, tu sais. Allez, pète, putain. Le nombre de mecs que j'ai dû leur arracher les canines, ça doit piquer sa race quoi. Putain. C'était simple de pouvoir remonter normalement. Oui, c'est une femme que je contrôle, oui. Soit il s'appelle pas Suzette.
où est-ce qu'il est l'avion? Dans cette direction, j'irai. Ah, là, complètement à l'envers. Non, mais sérieux! Non, mais. Il atterrit dans l'eau, le truc, en fait. Ou juste au bord. Juste de l'autre côté, j'ai cool. Ah. Renfant de la cool. Mais ça frise. Je crois que le genre de connard avec qui je pourrais bosser. Que collaborateur, je veux dire. Quand je pense à ce qu'on pourrait faire ensemble, des trucs fous. Vraiment. Je sais même pas encore ce que ça veut dire. Mais je vais trouver. Crois-moi sur parole. J'ai les meilleurs. Faut que je réfléchisse un peu. Et pour ça, j'ai besoin d'espace. Alors laisse-moi tranquille. J'arriverai à rien si je reste là dans mes pattes. Leur contact. Eh ben j'ai pas fait que ça ferait même maîtresse du tout. J'ai déjà chopé un saumon royal ou pas encore? Je sais plus. Hé, Trouduc! Merde, j'ai mal. C'est ça, tout à fait. Oups, j'ai glissé, Sef. Bon, par contre, maintenant, faut que je reste plus vêtu qui s'est cassé la gueule. Par contre, j'ai buté le mec qui pilotait le véhicule, mais le véhicule a réussi à se barrer. Bande de slag. C'est ça, le bus magique disparaît. C'est con ce que fait, à chaque fois que tu sauves un mec dans un de ces véhicules, ça donne un point de talent que tu peux avoir. Donc c'est pas tout. Ils veulent me tuer, ces gars. Et merci au tonton Darley pour ton resub. Monsieur Darley qui prend son resub pour le 7e mois consécutif. Merci à toi mon petit Darley. Merci beaucoup.
Et bienvenue, et bienvenue de parmi les membres de la Mooch. Comment ça va, mon petit Darley? Qu'est-ce que tu nous racontes de beau? T'as vu qu'il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent sur, sur Sea of Thieves, va falloir qu'on s'y remette. Direct. Bah, je veux dire qu'une partie historique, histoire. Donc, c'est-à-dire, il va y avoir une histoire avec du solo. Enfin, une histoire avec du scénario, déjà de base. Après, j'ai vu qu'il y a pas mal de choses de prévues, mais il y a tellement de trucs, honnêtement. Même moi, je suis un peu paumé là-dedans, quoi. Hé, je suis là. Hé, je suis là. Et merde. C'est pas ça que je veux faire. Hop, talent. Défi. Fusil à pompe, lui, vient de terminer. Bien, deux flèches, ça suffit pour buter un mec doré. Tranquille. Merde, repéré. Putain, mais... T'as pris de fuir pendant 20 ans ou... Au bout d'un moment, tu vas t'arrêter, quoi. Yeah.
toujours dans Excel. Ah, expert dans flamme. Donc logiquement, j'ai fini mes 3 défis. Dans flamme, arc, fusil à pompe, c'est bon. Je sais même pas si j'ai fini ou pas le corps à corps avec... Ah, le petit crash. 3, c'est bon. Est-ce que j'ai fini ou pas encore le corps à corps avec... Ah si, j'ai dû le finir. Ouais. T'es en train de me faire mal? Merci. Ram. Désolé non plus. Je pars au pot de merde. Alors, ça par contre, maintenant que j'ai un truc qui peut me servir, on va se jouer à la Rambo. Voilà. Une flèche explosive en pleine tête. Hé hey, trou du cul. Fais voir ton cul. Oh putain, ça explose à côté de moi, le bâtard. Allez, oh, sensation de brûlure. Sans déconner, avec des flèches enflammées. À quand une soirée SOT ou autre même? Ah bah là pour l'instant on avance un petit peu parce qu'on a beaucoup de, y a eu beaucoup de sorties de jeux, mais je pense d'ici d'ici même pas attendez quel jour. Mercredi. Mercredi, vendredi si tu veux, vendredi soir plutôt. Si tu veux. Bon ce week-end je suis pas là, mais vendredi soir si tu veux. Bon, max minuit comme d'hab, hein. Enfin vendredi soir. On peut commencer vendredi après mais finir le soir. Mais Oui mais après-midi, pour m'après-midi c'est 17h, 18h. C'est pas sous, c'est pas après-midi à 4h d'après-midi. Des nouvelles? Bah pour l'instant on n'a rien, que dalle. Honnêtement pour l'instant, que dalle mais que dalle. Des news comme quoi, bah là il y a des nouveautés qui arrivent, ça c'est sûr. Il y aura des nouveaux chevaux disponibles dans le multi, il y aura des nouvelles zones, il y a des nouveaux modes de jeu qui ont été déjà rajoutés, une ruée aux armes, un truc comme ça, un truc comme ça. Et ouais bah voilà, bah, dès que t'as fini ton boulot, poteau, on se rejoint. Hein. Hey connard. Il prend pas les coups de crotte, connard. Un petit coup de baïonnette au sol. Ouais, donc ouais, pour l'instant, j'ai vu qu'il y avait soi-disant des nouveautés, pas de petites nouveautés, mais après, pas de nouvelles. Pour l'instant, j'y suis allé, c'était quand ce matin, je crois, sur Red Dead Redemption 2. Oui. Il n'y avait pas de nouvelles missions, il n'y avait rien en fait, oui, actuellement. Il y avait juste un mode de jeu, je me suis dit, c'est une genre de ruée aux armes, comme ça s'appelle. Sur à part ça, j'ai rien vu de plus.
sûr. Il y aura des nouveaux chevaux dites sûr. En fait, le truc qui me fait rire, c'est qu'en fait, Overlord, il prend que quand je fais des fails. Oh, t'es mignon. J'ai demandé de lui toucher, toi. Tiens. Elle pleure en plus. Il était celui-là, le double fail. Il peut comme par hasard. Dès que j'ai des fails, de toute façon, t'es là, donc. Mais quand je fais des belles actions, comme là tout à l'heure, le tir de loin avec la flèche explosive, là, bizarrement, voilà, il n'y a plus personne pour filmer ça. C'est quoi ça? Victime extraction, non. Guerra 9 sur 15, ouais, ça monte. 2 sur 3 pour les flèches explosives. Ok, donc il me manque 1. Erk! Tuer des ravageurs avec des balles perforantes. Le problème, c'est que je sais pas ce que c'est. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est pas perforante ou pas? De me dire un fusil à pompe avec des balles perforantes, ce serait chelou, mais. Il y a une vache. Et la vache. Tu veux me dire bonjour? Oh, t'es mignon. Calme-toi, salope. Bah tiens. Défi terminé, niquer la vache. Une cible qui bouge pas, c'est facile. Non, il bouge pas, tu rigoles, le camion il bougeait. Il est en train de se barrer le camion. J'ai fini la saison des... Par contre, j'ai explosé le cadavre de l'autre, je crois. Ah oui, mais bon, il y a distance aussi. Poto, il y a distance. Attends. Attends. Les élans. Ah, il me reste encore deux élans à buter. Un canard. Une pigargue. Ok. Je veux pas te contredire. Et ben la mission suivante, ça va être celle-là. Hein. Ben, incendiaire, fusil à pompe. Ok. Le problème c'est que j'ai tendance à toujours rater les oiseaux quoi. Toujours les oiseaux que j'ai du mal à voir. Oh je sais pas trop attends. Si il retombe quand même. Par exemple dans tous les cas il y a toujours une retombée de flèches. Ben, ils m'ont ramené des véhicules. On crochet de la serrure. Je vais tuer All Might. Le symbole de paix. Ouais. Tiens, voilà. Ils sont où? Ah, ils sont là. Mais non, mais. Utilise ta baïonnette, bordel de merde. J'ai pas fabriqué une baïonnette pour que tu te branles avec. Oh putain. Hey!
Ah putain, mais... Bon, c'est qu'un coup sur deux, il se met en mode d'exécution, au lieu de se mettre en mode normal, quoi. Bon, j'ai buté combien? Avec la baïonnette. Ah, j'ai déjà 24, putain. On met un peu le coup de poing, un peu de sprint. J'en ai tué deux avec la baïonnette, il m'en manque deux alors encore. Excusez-moi, mais je te cherchais tout à l'heure. J'aimerais bien que tu ne manques pas d'élan. Ok. Ah, dommage. Dame de merde, tu sors. Ok. J'ai pas le droit à l'erreur. Et j'ai eu. Arrête-toi. Arrête-toi, il y a ravin. Vite. Et on... Bon, ok, c'est foutu. Ce qu'il a achevé, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais ça. Hein. C'est pas ce que t'étais, mais t'es plus grand chose. C'est Nachos! Oh Nachos, ça fait un bail! Comment est-ce que ça? Morte la benne. Plutôt que j'ai pas vu. Oh non. Il peut pas fermer sa gueule l'autre. Ça fait trop longtemps que je t'avais pas vu. Tu m'avais pas manqué hein.
Bah moi j'ai entendu mon pet dans le dos en cul. Ça m'a pas dans ta gueule. Non, parce qu'il entend me dire, il y a quelques années, j'ai entendu la voix de Dieu. Ah bon? Qui l'a cru? L'as-tu? Oui. Merci. Je sais ce que j'ai. Au moins une autre qui fait des bugs bouffe. Je me sens moins seul. Bah en même temps, si moi je t'ai pas eu depuis un bail, théoriquement toi tu m'as pas eu depuis un bail aussi. Jusque là c'est logique. Merci Katenobius. Tu dévoileras la vérité. Et laisse-toi accueillir par notre nouvel Éden. Oh, ferme ta gueule. Qu'est-ce que t'as foutu là-haut encore, toi? Tu t'es cru pour qui, là? Tu t'es cru pour Jésus-Christ? Wahid, salut à toi! Merci beaucoup pour ton follow. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier dans le coin? Quoi là? C'est quoi? Non, c'est pillé, ok. Hop là, ça a l'air d'être bon. Ah, si, il y a du scotch là. Voilà, ça c'est tout ce qu'il fallait. Aïe, putain. Des logris dans le coin. J'aime pas trop l'ambiance quand même, mode zombie un peu là. Fumée. Laissez-moi partir en courant. Laissez-moi me barrer, putain de merde. Bon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, alors j'aurais mieux fait de pas jamais venir sur tes... C'est quelle île là? Ok, j'aurais mieux fait de pas venir ici en fait. Donc, si, ouais, il me reste encore un peu de chemin. Bon bah, neige tout droit, hein. Oh, Red Rider! Comment ça va? Ça va, poto? Ah, les anciens qui reviennent. Comment ça va, les gars? Pourquoi tu nages au ralenti? Ok. Ah, d'accord, c'est qu'en fait, d'accord, l'île est recouverte de grâce. Donc de la drogue. C'est pour ça, en fait, que t'as le côté Stone et Chardin là-bas. Ça, j'ai rejoint le Discord. Ah, bah super, au top. Comme ça, t'auras toutes les news. Comme ça, si tu fais. Si tu joues sur console, parce que bon, on est forcément sur les consoles, j'ai pas le PC assez puissant pour jouer et streamer en même temps. C'est que surtout, j'ai fini l'école à 16h30, alors souvent tu streams plus. Ok. Top là. Comme ça, si tu as une console et que tu veux faire des games pendant les lives, bah tu pourras rejoindre plus facilement pendant les, grâce à Discord. Et comme ça, t'auras toutes les dernières news aussi. C'est pas faux. Bah ça va, et toi, comment ils vont les petits? Enfin tes petits, tes deux grands. Comment ils vont tes fistons? Mon petit rider. Ah merde, ouais, pour l'instant nous, par contre, on est essentiellement sur console. Autant la Switch, la Xbox que la PS4. Que pour l'instant j'ai pas les moyens encore d'acheter un PC qui soit assez puissant pour faire tourner le jeu et le stream en même temps. Pas eu trop le temps de passer avec le taf. Non mais t'inquiète pas, moi de toute façon t'inquiète pas, mais moi j'ai eu beaucoup de mal à streamer ces derniers temps. J'ai eu pas mal de choses à faire, pas mal de trucs à régler, j'ai fait beaucoup d'heures sup au boulot, plus ouais, c'est tout un enchaînement. Le mois de février était un peu compliqué. J'aurai la Switch. Ah bah la Switch, ouais, j'y joue. Ah, largage, ouais, le problème c'est que largage, pour le repérer le largage d'ici, c'est compliqué. Il n'y a pas une clairière. Ah, c'est une petite clairière dans le coin. Là. Je crois que ça va m'atterrir dans le dos, avec la chance que j'ai.
Oh le bâtard. Puis pas là où je vois plus rien. Ah là. Le colis arrive. Chien sauvage, ok. Bon bah ça c'est réglé, hop. Le colis stratégique il est pour nous. Ah bah les gilets jaunes, ouais ça, ça par contre c'est vrai que ça a chiné pas mal de trucs. Pour le boulot ça a été un peu compliqué. Souvent le week-end, j'étais quasiment obligé d'aller dormir chez des collègues parce que c'était impossible à... Comment je monte moi? Ah d'accord, c'est avec A, ok. Le week-end, j'étais quasiment obligé de dormir chez des collègues parce que c'est... Ils bloquaient toute la route vers Lyon, donc pour rentrer chez moi, c'était très compliqué, quoi. Ah oui, merde, attends, j'étais en train de me dire si ça avait... Ça avait fait son... le petit bip-bip-bip. Les gars, ce qu'on va faire, on va faire une légère pause de 2 petites minutes. Donc je pisse un coup et je reprends après. Il y a des jeux où on peut envoyer des demandes d'amis. Sur Switch? Sur Switch, faut le code ami poto. Je sais pas si je l'ai mis en plein de ça sur Switch. Le code ami. Ouais, voilà. Ah non, une autre chose. Moi, je suis d'accord avec les jeux jaunes, je suis d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'était compliqué pour moi, en étant aide-soignant, donc je travaille dans le médical, d'avoir juste accès à mon lieu de travail. Ce qui, au départ, il bloquait pas les infirmiers et les médecins. Le problème, c'est que nous, en tant qu'aide-soignant, on n'a pas les cartes sur les véhicules pour dire on est dans le médical, laissez-nous passer tout. Donc, moi, ils m'ont bloqué pas mal de fois pour m'empêchant d'aller au travail. Ce qui est un peu chiant. Voilà, parce que mes patients, ils vont pas s'occuper d'eux tout seuls. Alors tout le reste de l'année, ils ont besoin d'aide, même les jours fériés, toi. Donc voilà, ouais, c'est juste ça. Bon, je reviens dans 2 petites minutes, les gars. Je reviens.